Notre stratégie consiste à sélectionner les petites et moyennes entreprises qui nous semblent afficher des perspectives de croissance exceptionnelles et à y investir avec une philosophie de long terme. Nous déclinons cette stratégie sur deux fonds labellisés ISR, Groupama Avenir Euro pour les petites et moyennes entreprises de la zone euro, GFund Avenir Europe pour les petites et moyennes entreprises européennes, incluant notamment au-delà de la zone euro les viviers très riches que sont les pays nordiques, l'Angleterre et la Suisse. Nous gérons également le fonds GFund Avenir Small Cap, dédié quant à lui aux petites entreprises. Notre savoir-faire, c'est de détecter les sociétés jugées exceptionnelles à un stade encore précoce de leur développement, alors qu'elles présentent un potentiel de croissance significatif. Nous y parvenons, car nous sommes des hommes de terrain avec des contacts locaux qui allons chercher les pépites partout où elles se trouvent en Europe. Notre process est très rigoureux et ces idées d'investissement, nous les passons au scanner. Nous rencontrons plusieurs fois les dirigeants, des experts sectoriels, visitons les sites de production ou de recherche, et nous réalisons notre propre analyse fondamentale. Nous exigeons de nos sociétés qu'elles aient une vraie vision long terme et que leur croissance soit mécanique, liée par exemple à la diffusion d'une innovation, indépendante du cycle économique, rentable et autofinancée. Nous accordons également une grande importance aux pratiques ESG qui sont, selon nous, le prolongement naturel de cette exigence de qualité tous azimuts. In fine, nous n'investissons que dans 5 à 6 nouvelles idées par an, en les accompagnant dans la durée avec une vraie logique de propriétaire. Ce qui est fantastique avec cette approche, c'est que vous pouvez potentiellement avoir fait x2 ou x3 sur vos premiers achats et avoir finalement encore plus de chemin à parcourir car la société aura trouvé de nouveaux marchés adressables ou de nouveaux leviers potentiels de rentabilité. L'univers des petites et moyennes valeurs est particulièrement riche en sociétés innovantes, notamment dans les domaines de la technologie, des équipements médicaux, de l'industrie 4.0. L'Europe compte, et c'est assez peu connu, de vrais champions dans les domaines des semi-conducteurs, des éditeurs logiciels, des entreprises de services au numérique, des équipements pour l'ophtalmologie ou de l'automatisation des entrepôts de logistique. Ce qui nous rend particulièrement confiants, c'est que ces sociétés n'ont encore exploré qu'une faible partie de leur marché adressable et que leur trajectoire de croissance appelait à se prolonger sur de nombreuses années.